Salutations humains de Gaïa. Je suis Orokor, général de la flotte draconienne positive, connu également dans les temps anciens sous le nom d'Armée du Seigneur. Soyez en paix. Vous n'avez rien à craindre de nous. Nous sommes avec vous dans les dimensions qui vous sont encore inaccessibles. Nous ne sommes jamais venus, ni partis. Nous avons toujours été là, et avons été considérés par vos anciens comme des dieux. La plupart d'entre nous résidons dans des cités sous-marines, dans des zones particulières de l'océan, que vous avez baptisé triangle, tel que celui des Bermudes ou le triangle du dragon dans le Pacifique Ouest. Il fut un temps où vous avez été esclaves des Anunnaki, qui nous faisaient la guerre, et nous vous avons en quelque sorte sorti de ce servage. L'Ordre des Dragons Blancs est une fédération beaucoup plus ancienne que Kirkfitnir. Mais nous commençons à nous rapprocher de ces races réunies en alliance galactique et des missionnaires incarnés volontaires ayant choisi l'expérience de l'incarnation humaine pour préparer le contact et faciliter l'intégration de votre civilisation dans cette grande famille stellaire. Vous pouvez à présent bénéficier d'une infusion d'ADN avec notre race, très diluée et surveillée de notre part, mais cela implique de le demander avec conscience, d'être centré sur le cœur, et de posséder un certain équilibre émotionnel et mental, pour éviter d'éventuels effets indésirables. Vous avez été hybridé de très nombreuses fois au cours de l'histoire humaine, et vous devez maintenant en prendre conscience pour cheminer spirituellement de façon plus mature que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Les 144 000 reptiliens de ma flotte, présents sur Terre, sont missionnés et qualifiés pour conduire ce programme d'hybridation avec la sécurité ultime que ce programme peut être automatiquement et à tout moment interrompu par vous, car vous êtes les maîtres de votre destinée. Cette infusion d'ADN n'est cependant pas réversible, car l'information inscrite ne peut être supprimée. Mais notre objectif n'est pas de rendre les choses plus difficiles, mais au contraire, de les porter à un niveau plus élevé de perception et d'expérience. Seules certaines lignées humaines sont à même d'accepter de l'ADN reptilien, et encore moins peuvent accéder à celui des draconiens. Êtes-vous prêt à dépasser vos peurs et préjugés dans cette première vague ascensionnelle que vos anciens écrits ont décrit comme le premier saut de l'Apocalypse? Êtes-vous prêt à élever vos fréquences vibratoires et vous rendre compte que vous vivez déjà en Éden? Je vous laisse maintenant avec ces quelques informations destinées à mieux nous faire connaître. Roll up.